allez, ça tombe pas. On est au stade Raoul Montbrun à Pantin. C'est le siège du comité départemental de rugby de Seine-Saint-Denis. Donc c'est notre terrain, la synthétique. Et en fait, l'idée, c'est le lancement aujourd'hui d'Oval Academy Summer. Donc le dispositif gratuit qu'on propose. Dans le 93, forcément, le confinement, ça a été très difficile par l'urbanisme, par la difficulté justement de voir un peu de vert. Donc l'objectif premier, c'était que le maximum d'enfants sur notre territoire puissent voir un petit peu, puissent prendre l'air et surtout puissent sourire au maximum. Et le deuxième objectif, c'est qu'en même temps, le rugby, il a un petit peu du mal au niveau de sa vision, c'est beaucoup de contacts, beaucoup lié à l'impact. Et là, on veut sortir un peu cette image-là auprès des parents, auprès des enfants et les faire vraiment adhérer à cette ovalie. Et c'est pour ça qu'on a appelé l'ovaludisme. C'est-à-dire vraiment, en fait, on va s'éclater avec un ballon ovale, un ballon un peu bizarre qui est difficile à dompter. Et vraiment, à partir de là, on va détourner plein d'activités, plein de jeux. Ils se fassent des passes entre eux, ils aillent jusqu'à 10, d'accord? Vous, votre objectif, c'est de couper les passes, d'accord? De empêcher qu'ils fassent 10. Objectif au départ, on va faire 5 passes, d'accord? On essaie de faire 5. Tu me donnes la balle? Ok, on se déplace autour de moi. On a prévu 3 ateliers, voilà, qui vont balayer un petit peu tous les aspects du rugby, que ce soit à la main comme au pied, dans des situations assez ludiques pour avoir beaucoup de sourires et voilà, partager beaucoup de plaisir. Est-ce que vous êtes prêts, les rouges? Ouais! Ah, vous êtes vraiment prêts en fait. Ok. Quand vous voulez. Oh, dommage. Zéro. Oula, 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 oula. Ouais. Comme le tir à l'arc, mais c'est avec le ballon de rugby. Après, tu tires avec ton pied très loin. Il faut marquer des points. Ok, donc on se concentre, on a le temps de. On prend le temps. Ok? Quand vous voulez les premiers. Vas-y. Oh, il est belle. Zéro. Mathieu, il est solide. Olé! 2 points. C'est très très chouette et j'ai appris un petit peu de trucs. Que d'abord comment tirer le ballon, comment le faire atterrir et comment marquer avec. Ce que j'ai préféré, c'est que quand on a pris le ballon de rugby au pied, on devait tirer dans la cible, soit dans la jaune, soit dans la rouge. Le but du jeu, c'est d'avoir retiré le plus de fac, c'est-à-dire qu'il faut que tu finisses avec le plus de fac dans ta main. L'idée vraiment, c'est qu'ils s'encouragent, qu'ils s'entraident et du coup montrer ces valeurs éducatives du rugby. C'est surtout la coopération et le dépassement de soi. C'est un succès parce que je pense que les gamins ils ont pu prendre du plaisir et c'est avant tout ce qu'on cherche. Prendre du plaisir parce que bah, en fait on veut qu'ils reviennent. On veut qu'ils reviennent donc on leur donne un maximum de fun, on met le fun en avant, pas du tout là. On essaie pas du tout d'en faire des athlètes ou des super rugbymen quoi. C'est d'être au plus proche des habitants et avec notamment l'association des Amis du Midi qui essaye de mettre en place une dynamique au sein même de leur quartier et on met en place énormément d'activités tout au long de l'année et en l'occurrence les pieds d'immeubles comme c'est actuellement, c'en est l'exemple même. Les Amis de la Cité du Midi, une association qui a été créée en 2016, c'est le bailleur ICF qui nous avait demandé de créer cette association. Alors le but de l'association, c'est surtout de créer du lien social au sein de la cité. L'État a mis en place un dispositif qui permet aux bailleurs sociaux de payer un peu moins de taxes foncières. Et en contrepartie, ils doivent animer leur quartier. La première, la plus grosse importance, c'est de mettre les habitations dans les normes. Donc ça, c'est une grosse partie. Mais il y a aussi une partie animation, là où nous, on peut être concernés. Et du coup, comme on est reconnu comme un acteur dans les quartiers et de proximité, on est quand même effectivement sollicité par beaucoup de bailleurs, en tout cas sur la métropole bordelaise, pour des pieds d'immeubles essentiellement, mais aussi des cycles, mais aussi des projets, des séjours. L'idée, c'est de ne pas se contenter de pieds d'immeubles parce que ça reste que ponctuel. C'est fait ressentir le besoin de venir vraiment s'installer, s'implanter sur le quartier. Et en l'occurrence, donc, on a eu un bureau qui nous a été mis à disposition donc, sur Florac, sur l'antenne ici même. Et comme ça, c'est pour être au plus près des habitants et notamment des habitants de la Cité du Midi. Allez, 1, 2, ah non, au départ. Oh, il est impatient, il veut gagner la seconde. 1, 2, 3, go! Ok, tu fais le plot là-bas. Par le biais justement de l'expérience du corps ou de l'approche matérielle comme Oscar qui est à côté de moi ou l'autre écorché qu'on a rangé un peu plus tôt
cet après-midi. C'est de justement amener la curiosité, donc attirer un peu l'attention, et justement avec Pauline après d'emmener justement les jeunes et moins jeunes sur les ateliers qu'ils expérimentent eux-mêmes, que ça soit sur l'oreille interne, que ça soit sur du renforcement musculaire, sur le rythme cardiaque. Faire une passe à serre. Ça on a le droit de faire. En sortant d'une période assez compliquée après avec ce coronavirus, je pense que tout le monde a envie de profiter, de s'amuser à nouveau. Et donc quand Drop de Béton m'a expliqué qu'ils organisaient quelque chose comme ça à Florac, j'ai tout de suite accepté de venir voir les jeunes. Je vais essayer de prendre le maximum de plaisir avec eux. J'espère que ça leur fait autant plaisir de me voir que moi ça me fait plaisir de jouer avec eux et passer une très très belle après-midi avec eux et essayer de donner le plus possible le sourire. La première fois que Drop de Béton j'en ai entendu parler, c'était en fait en allant jouer au City Stade à Florac. Et j'ai vu qu'ils avaient organisé une activité dans le même style au stade Jean-Raymond Guyon. Et du coup, je sais pas, ça m'intéressait, je suis allé. Et par la suite, j'ai décidé de me mettre au rugby, en fait, tout simplement. Du coup, c'est un peu grâce à Drop de Béton que je me suis mis au rugby, on va dire. Je pense que les gens ont pris conscience qu'il leur manquait quelque chose. Puisqu'il y a quelques temps, des gens m'ont demandé qu'est-ce que vous faites cette année? Est-ce qu'il va y avoir les structures gonflables? Est-ce que vous faites des sorties? Il fallait absolument faire quelque chose. On ne pouvait pas rester inactif, quoi. C'était impossible, quoi. Attention, pieds joints, tricheur. Ok, tête, épaule, genou. Ok, on refait. Hey, écoutez bien. Tête, épaule, genou, pied, genou, tête. Levez-vous. Et oui, écoutez bien, ballon. Ouais, c'est le premier. J'ai des jeunes, donc ça va du CP au CM2. Donc c'est vraiment, on est basé sur l'élémentaire. Et effectivement, par rapport à la tranche d'âge, on ne travaille pas la même chose. Et donc, pour les plus petits, c'est vraiment des petits jeux qui pourraient s'adapter très bien au handball, au basket, etc. Sauf que je change de ballon, moi j'utilise mon petit ballon de rugby. Le but, c'était de développer des petits ateliers qui est vraiment adapté au CP jusqu'au CE1. Et à partir du CE2, je les emmène plus vers du touch rugby, où là, ça va être vraiment les prémices de ce qu'on va pouvoir leur apprendre après à l'école de rugby. Que beaucoup de familles se sont inquiétées effectivement d'une éventuelle baisse du niveau scolaire et peut-être de l'impossibilité à la rentrée de pouvoir rattraper ce niveau dans des conditions normales. Quoi. Il y a une dynamique qui s'est créée, les enfants sont contents de venir, on voit qu'il y a des sourires, on voit que c'est pas, ils n'arrivent pas la tête baissée et les bras ballants. On a un bon retour également des familles qui clairement étaient en attente de ce dispositif. En tout cas, s'ils n'étaient pas en attente, ils avaient beaucoup d'inquiétudes sur la question du niveau scolaire de leurs enfants et que beaucoup de parents nous ont vraiment sauté sur l'occasion, c'est le cas de le dire, et vraiment nous ont remercié d'avoir mis en place ce dispositif et ils témoignent également pour leurs enfants en disant que leurs enfants sont contents de venir. Le but, c'est de le faire bien et à la fin, c'est de viser dans le bon cerceau avec la bonne passe rugby, pas au basket, pas au handball, on est au rugby. Vous êtes prêts? Top, c'est parti. Tous les ateliers qu'on a faits pendant les deux premières semaines me servent aujourd'hui à créer des petites rencontres entre eux et je vois que effectivement les jeunes ont vraiment progressé, que ce soit les CP ou les CM2. Il y a pas mal de choses qui sont rentrées dans leur pratique, telles que la passe en arrière qui n'était pas évidente du tout au début. Alors je leur ai laissé de faire les passes comme ils voulaient au tout début. Et au fur et à mesure, en changeant les règles du jeu, eh ben on arrive au fur et à mesure à leur faire faire les passes en arrière. Et là, on arrive sur quelque chose qui pourrait vraiment être tout à fait du rugby.